Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de SimCity 5. Donc tout d'abord, je tenais à vous dire que cette fois-ci, nous allons pas continuer sur la ville de la culture. Nous allons aller sur une nouvelle ville. Comme on me l'a demandé, je vais essayer de faire une ville criminelle, donc avec la tour vue à l'intérieur, pour y avoir plus de criminels. Donc je remercie Jérôme Jeufourreau pour cette idée et Gauthier Flack parce que ce sont les deux les plus actifs sur ma page Facebook, enfin pour l'instant. Et je remercie aussi Rousseau3 pour ses petits conseils dans la vidéo 1 de SimCity. Ce qui enfin était une bonne chose étant donné que c'était mon premier commentaire sur les vidéos de SimCity. Et j'aimais bien. Ça fait du bien de voir ces erreurs. Donc, pour changer de ville, c'est très simple. Nous allons faire ça comme ça. Donc, ça sera une vidéo d'à peu près 25 minutes. Étant donné que c'est une ville qui sera donc très très criminalisée, nous allons essayer de la faire la plus loin possible, genre là-bas. Comme ça, les criminels ne viendront pas dans ma belle petite ville. Ils resteront bien loin, là où je ne les veux pas. Donc, cette vidéo sera plus petite que l'ancienne, logiquement, mais restera quand même une vidéo de ce jeu. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, j'ai l'impression que je n'ai presque plus de son du jeu et ça m'énerve un peu. Allez, je vais augmenter ça. Voilà. J'applique. Donc, bah, comme d'habitude, on va commencer par faire des routes. Comme vous le savez, j'adore ces routes-ci. Je vais faire un petit truc spécial pour le fond là-bas. Cette fois-ci, nous allons faire une sorte de périphérique. Ah zut. Faut que j'agrandisse encore un peu par là. Donc, nous allons faire une route comme ça qui traverse toute la ville. Enfin, qui pas traverse toute la ville, mais qui la contourne, on va dire. Ouais, voilà, je pourrais même pas faire tout le contour non plus. Pas tout de suite. Va d'abord falloir que je place mes petites zones adorées. Donc voilà. Allez, je remets en pli. Vas-y, donne-moi mes zones. Alors, première chose à regarder, comme toujours, où va le vent? Il va par là, c'est nickel. Ici, je vais me... J'hésite. Je vais mettre là, comme ça, ici. Ça. Là, les magasins pour écouler le stock. Étant donné que ça va être une ville criminelle, il me faut énormément d'industrie. Donc voilà, les industries ici. Là. Ici. Il faut quand même un minimum d'habitation qui sera sûrement là. En attendant. Voilà. Et maintenant, il reste plus que à attendre d'avoir un peu plus de fric pour pouvoir, par exemple, mettre ce petit château d'eau là. J'ai pas assez de Simflouz. Je vais arriver à le dire une fois. Hein. Et il me faut de l'électricité aussi. Et pour ça, nous allons directement faire un prêt. Comme ça, on s'emmerde pas. Boum. Voilà. Ici. À l'entrée, poum, je mets ça. Là, je mets ceci. Et ça sera bien suffisant pour le début. Étant donné que j'ai assez de fric, bah, je vais continuer mon tour. J'ai pas du tout une bonne vision de l'argent. Vous avez vu, je dépense ça n'importe comment. C'est lamentable. Je devrais aller me faire soigner. Mais je m'en fous.
C'est pas très droit aussi, c'est parce que ça va être une ville de criminels, du coup je m'en fous un peu. Oula, ça c'est peut-être un peu beaucoup. Voilà. Ici il y aura plutôt des maisons. Voilà. Du coup, est-ce que je peux mettre mon hôtel de ville? Non, pas encore. Tant pis. On va un peu attendre. Y a un renfoncement ici aussi, comme dans l'autre ville, c'est dommage. Ah, je peux faire l'hôtel de ville que je vais foutre là. Allez, venez, mes petits ouailles. Oui, je vais l'appeler Gotham. Étant donné que c'est une ville réunissant plein de criminels, Gotham, je crois que c'est un bon nom. Gotham, je vais l'appeler comme ça. Boum. Voilà. Gotham City avec la tour vue qui sera pris comme la tour Wayne. Sauf que Wayne il est gentil. Donc plutôt. Non, il a pas de tour lui. Oh, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. On va dire que c'est la tour Wayne. The Wayne Enterprise. Bon, ben, au milieu, je vais faire mon petit rond. Non, je vais pas faire de rond cette fois-ci. Je vais faire autrement. Voilà. Des petits trucs comme ça peut faire que du bien. Oula. Courbe zéro, quoi. Ça va pas ça. Oula, c'est quoi ce bordel? Wouhou! Je suis fan. C'est génial. Bon bah on va faire comme ça avec pourquoi pas un truc qui part de là-bas et qui rejoint ici. Ça pourrait le faire. Non, je vais plutôt faire comme ça. Y a rien qui est droit, ça me perturbe. Mais bon, c'est pas grave, c'est une ville qui coule. Donc voilà. Donc voilà, j'avais un petit truc à dire à mon père, c'est pour ça que j'ai coupé le son momentanément. Vous n'avez rien entendu, bien sûr. Enfin, je l'espère. Donc, nous allons encore mettre une route qui traverse tout ce bazar-là, et après, ça sera des petites routes comme ça. Parce que sinon, il y aura vraiment trop de grosses routes. Et nous allons donc mettre des habitations en plein milieu de ce merdier à partir d'ici. Voilà. Là, ça sera des industries. Ici, je vais changer pour des habitations quand même. Il en faut un minimum. Ici aussi. Là, par contre, pas. Donc ici, ça sera vraiment les résidences, là, les industries. Ici, je vais mettre quand même quelques magasins, sinon ça va faire un peu monotone, j'ai envie de dire. Allez, magasin. Poum, comme ça. Et là, je vais quand même aussi mettre encore quelques petites maisons. Voilà. Ils changeront eux-mêmes. Voyons voir. Rien à détruire? Parfait. La santé. Voilà, j'ai déjà des problèmes de santé, c'est génial, tiens. Ouais. T'as pas de problème. Je vais pas mettre ça maintenant, mais ça par contre, ça va être nécessaire. Oui, je vais quand même mettre un poste de police plus tard.
parce qu'il faut quand même un minimum de police, même dans une ville remplie de criminels. Parce que sinon, il y a tout le monde qui va partir, et ça va pas aller, ça. J'ai pas envie que les gens partent. J'ai envie d'avoir quand même une assez grosse ville aussi. Donc voilà, je vais mettre toutes mes petites maisons. On va essayer d'aller assez vite. Étant donné que maintenant, je vais faire des vidéos de 15 minutes. Enfin non, pas de 15, mais de 25 minutes sur SimCity. Bon, celle-ci, c'est vraiment juste pour dire, voilà, vous m'aviez demandé ça, donc je l'ai fait, quoi. Je suis gentil. Pas assez de SimFlues. Je m'en fous, je mets quand même mes zones. Voilà. Déjà? Tiens, tu peux être amélioré. Voilà. T'es contente. Ici, je vais pas mettre de ministère, ça sert à rien. Donc voilà, ça c'est bon. Ici, je vais couper comme ça. Couper aussi comme ceci, pourquoi pas. Donc vous allez voir, ça va vraiment être le bordel dans cette ville. Tellement le bordel que ça va en être marrant, enfin j'espère. Non, ça marche pas, dommage. Ah, j'ai pas assez de SimFlues. D'accord, bah c'est pas grave, hein. On va en gagner en faisant notre zoning. Donc là-bas on a quelques magasins, ici on a des maisons, là-bas on a plein d'industries, on en a partout même des industries. Ici je vais encore devoir couper en deux ici. Là pareil, j'ai pas assez de SimFlues. J'ai réussi à le dire pour une fois. Ouais, sinon, j'en connais un qui va me faire la grosse tête. Un mec dont je tairai le nom pour le moment. Mais peut-être que plus tard, je ferai des vidéos sur SimCity avec lui. Donc vous saurez peut-être son nom plus tard, quand il aura acheté le jeu. Parce que c'est vraiment un jeu génial. Franchement, comme jeu, il y a rarement eu mieux. Bon, il y a déjà eu mieux, mais rarement quand même. Tiens, toi je t'enlève et je te mets quand même quelques petits magasins. Voilà. T'as quand même des magasins, comme ça tu peux envoyer tes marchandises ailleurs. T'es fier? Y a pas de quoi. Bon. Je vous ferai quand même remarquer que malgré tout ce que je viens de faire comme zoning de merde et tout bazar, j'ai quand même 8000 par heure. Enfin, presque 9000. 9000, voilà, ça c'est fait. Donc c'est quand même pas mal. Même si j'avoue que je me suis pas vraiment entraîné à faire des trucs aussi merdiques. Donc ce truc-là, ça sera peut-être fait en un ou deux épisodes. Là, j'ai vite fait le zoning et après, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais mettre mon petit poste de police. Boum. Et après, je mettrai ça. S'il faut libérer les criminels quand même. Bien. Voici, voilà ça. Problème de santé. Oh. Vas-y, je veux mon pognon. J'ai bien assez, je peux avoir du fric quand même. Allez, je vais me faire une petite obligation de 100 000. Ça, je suis tranquille. J'ai aucune notion d'argent, je sais, je m'en fous complètement. On a de quoi. On est à plus 8000 par heure, donc je crois qu'il y a moyen, quoi. Parce que ça serait quand même con d'avoir trop de malades, voilà. Là, si j'en ai trop, je comprends plus. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Ça va pas, non? Hop.
comme ça t'as un service de pompier approprié à ce que tu as en ville. Allez, je vais même te mettre une deuxième petite. Voilà. Par contre, la police, je vais pas tant l'améliorer que ça, étant donné que c'est une ville criminelle, comme je vous le rappelle. Donc ici, je vais sûrement mettre le traitement des eaux et les eaux usées. Encore une petite obligation, comme ça, je vais pouvoir déjà mettre ceci, qui va donc refaire de la nappe phréatique à cet endroit-ci, ce qui va permettre de mettre la station de pompage d'eau après. Je l'avais mis où? Je sais que je l'avais mis, mais je sais plus où. Je crois que c'est ça. Ouais, voilà. Hop, j'ai plus besoin de ce truc-là. Qu'est-ce que tu me veux? Hécatombe. Ok. Oula! Tourne pas. Ça va pas, ça. Donc, je vais mettre une centrale à charbon à la place. Voilà. Voilà, livraison mondiale de charbon. Et c'est que ce. Bien maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre un peu. C'est pour ça que je vais faire une petite ellipse. Comme ça, on verra comment la ville a évolué pendant ce petit temps. Donc, je vais juste faire une ellipse sans bouger grand-chose. Je vais juste régler les problèmes s'il y en a qui s'affichent, mais je crois pas qu'il y en aura avant quelques temps quand même. Et je vous montrerai après ce que j'ai fait et comment ça se passe. Donc voilà, ellipse. Donc voilà, nous revoilà après cette courte ellipse. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Bah, c'est très simple, j'ai fermé mon poste de police un petit moment pour que le niveau de criminalité monte. Comme ça, je peux installer la tour vue après, une fois que j'aurai 120 000. J'ai installé la décharge et j'ai upgrade toutes les routes en avenue de grande densité. Donc voilà, je vais rembourser ce prêt-ci pour pouvoir en refaire un de 100 000 pommes. Comme ça, je suis tout prêt, tout prêt, tout prêt d'avoir la tour vue. Une fois que j'ai la tour vue, je l'installe et je vais voir avec vous ce qui va se passer parce que je n'ai jamais installé cette putain de tour. Parce que je me suis toujours dit, non, si c'est pour augmenter la criminalité, ne le fais pas. Mais là, étant donné que la personne qui voulait une ville criminelle en aura une, et ben voilà, c'est comme ça. Je vais la mettre ici. Ça me semble bien. Boum, voilà. Plein de mécontents. Ah ouais, ça serait pas loin. Très loin. Mais toutes les industries sont contentes. Le crime va normalement très augmenter. D'accord. Ben, on va attendre un peu. Apparemment, je peux pas faire ce truc-là pour l'instant. Donc voilà. Je couperai bien ça encore en deux. Voilà, bon, c'est pas très droit, encore une fois, je l'avoue. J'acquiesce complètement. Mes autres villes seront beaucoup mieux, enfin, j'espère qu'elles seront beaucoup mieux. Je les ferai tout à fait autrement. Pas de lieu d'envoi, pas de lieu d'envoi, pas de lieu d'envoi. Il leur faut des lieux d'envoi. Eh ben, je vais vous dire, vous pouvez l'envoyer, moi. Je vais. Vous faire ici.
ce que vous avez toujours rêvé. Boum, voilà. Comme ça, vous pouvez l'envoyer là. Votre marchandise. Oh, déjà rempli? Eh ben. Voilà. Si t'arrives à remplir ça, chapeau. Et ils y sont arrivés, hein. En même temps, j'en ai beaucoup des industries. Bon, ben, je crois que je vais devoir mettre un peu plus de commerce. Où est-ce que je vais mettre des commerces? Ah, j'ai une mission. Ah, il est moche, le docteur Vu. D'accord, je vais libérer le mal. Alors, faites en sorte que 10 criminels soient... Enfin, que 10 crimes soient commis, mais comment je fais ça, moi? C'est logique que t'arrives pas à faire face au crime, mon petit coco. Tiens, je te ferme. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Non, merci. Donc, toi, t'es déjà rempli et mort. Toi, qu'est-ce que tu me veux? D'accord, tu veux plus de camions poubelles, c'est ça? Tiens. Si après ça, t'en as encore besoin, bah, tu iras te faire voir. Oui. Ah, ça peut être intéressant si je fais ça comme ça. Est-ce que je vais me mettre en usine de processeurs? Ouais, je vais la foutre là, hein. Ça coûte cher quand même. Et après, je ferai une usine de recyclage. Ça pourrait être bien aussi. J'ai pas assez. Oh là là. Bon, bah, désolé les gens, j'augmente un peu les impôts. Allez, plus vite. Eh ben, nous allons arrêter cette vidéo ici. La vidéo numéro 2 va suivre très très vite. Comme ça, on en finit avec cette ville. Et on pourra passer à une un peu plus glorieuse. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si j'en doute un tout petit peu. Donc je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.